Il y a un moment dans la vie où il faut rebondir, transformer l'énergie négative en énergie positive. Un dimanche matin, j'ai voulu accrocher un cadre chez moi. Sauf que je me suis aperçue que mon mari était aussi parti avec la boîte à outils. En route pour m'acheter une boîte à outils. Aucune raison que mes outils restent dans un simple sac en plastique. J'ai constaté dans les rayons qu'il était impossible d'en trouver une plutôt sympa. Trop rose, trop girly ou en plastique. Trop moche, inesthétique ou trop masculine. Bref, ça donne pas envie. Et ça m'a donné une idée. Créer la boîte à outils fonctionnelle. Après une étude de marché concluante, il fallait donner un nom à ce projet. J'ai réuni quelques bonnes amies et nous avons brainstormé. Quelques heures après, la première marque de boîte à outils pensée par des femmes pour des femmes voyait le jour sous le nom de Chic, je bricole. Chic, je bricole, c'est avant tout une équipe. Aurélie la graphiste, Vanessa la responsable com, Karine pour la partie financière, Aurélie et ses doigts de fée à la couture et moi-même à la création et à la coordination. Mais c'est aussi une succession de belles rencontres, des savoir-faire mis en commun et un enthousiasme partagé. Une boîte à outils sur le thème de la sacoche de plombier revisitée et féminisée, mais pas que. Elle sera personnalisable et accompagnée de fiches techniques, Chic je bricole, qui constituent LA différence. Des fiches pratiques écrites par des femmes, pour des femmes. On ne propose pas qu'une boîte à outils, on propose un vrai concept, se faire plaisir et faire plaisir. Le petit truc en plus, tout est made in France. Pourquoi ce projet? C'est l'envie de créer la boîte à outils qui n'existe pas, de la personnaliser, de mettre en place des collections dans des univers surprenants avec des matériaux différents. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas bricoler et bien bricoler. Alors une seule chose, il faut pas avoir peur de se lancer, juste oser. Et en plus, ça fait des paillettes. Chic je bricole, c'est un élan féminin appuyé par des réseaux et un défi personnel à relever. Pourquoi financer Chic je bricole? Parce qu'aujourd'hui, ça n'est qu'un prototype. Demain, grâce à vous, ce sera un objet culte. Parce que le sujet vous touche. Parce que demain, pour briller en société, il faudra avoir contribué à Chic je bricole. Évidemment. Parce qu'on a besoin de vous pour développer la phase 2 du projet, les outils. Mais sans la phase 1, eh ben pas de phase 2. Parce que vous êtes avant-gardiste et que vous avez l'intuition pour accompagner les projets qui vont cartonner. Bref, vous avez compris, on a besoin de vous. Chic je bricole, la première marque de bricolage pensée par des femmes pour les femmes.